Good morgen, allez, Idan et Sussra, aujourd'hui, le Nishmat, Avram, Mordechai, Ben Yitzhak, Befani, ainsi que l'Irfouat, Léa, Bat, Elisheva, Betor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions dans la Maseret Regiga, Perek Aleph, Mishnah, Zain. Rabbi Shimon ben Menasya Omer, Eizehu, Me'uvat, Sheno, Yachol, Litkon, Ze Abba al Ha'erva, Veolid, Mimena, Mamzer, Im Tomar, Begonev, Vegozel, Yachol, Olach, Zero, Vitaken. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Enkorin Me'uvat, Ala Lemi She'aya, Metukan, Batechila, Venit Avet, Ve'eize, Zetamit Chacham, Aporesh, Minatora. En rapport avec le pasouk de Kohelet qu'on a évoqué dans la mission précédente, Me'uvat lo yuchal litkon vechesron lo yuchal leimanot. Alors, on va découvrir dans notre Mishnah d'autres interprétations à ce verset, d'autres expressions, plutôt, on va dire comme ça. D'abord le pasouk, Me'uvat, quelque chose de Me'uvat, c'est quelque chose de tordu. Lo yuchal litkon, quelque chose de tordu, ne pourra plus être redressé. Même quand tu vas le redresser, il va rester encore une marque. Et vechesron, est-ce qui est manquant, lo yuchal leimanot, tu ne pourras plus le compléter. C'est un pasouk qui est censé te stimuler à prendre les choses en main, ne détruis pas, ne détériore pas parce que tu auras du mal à réparer, ne manque pas à ton devoir parce que tu regretteras de ne pas l'avoir rempli. Du coup, la Mishnah, elle va commencer, on avait évoqué ce pasouk en rapport avec celui qui n'avait pas fêté Sukkot, donc il est Chesron le Khalimanot, il a un manque qu'il ne peut plus combler. À présent, on va découvrir deux interprétations sur la première partie en fait, sur Me'uvat le Yuchalitkon. Et qui va me dire comme ça, Rabbi Shimon ben Menasya. Rabbi Shimon ben Menasya dit, Ezeu me'uvat sheno yachol litkon, quelle est une expression de quelque chose de tordu qu'on ne pourra plus redresser? Ze aba la erva veolid memena mamzer. C'est celui qui va partir avec une femme qui lui est interdite, une inceste, et il va avoir un fils avec elle qui va être un mamzer. Parce que, im tomar begonev egozel, parce que si tu penses qu'on pourrait parler d'une sorte de avera telle que le vol, Gonev et Gozel, deux types de vol, celui le vol en cachette, le vol en public, il y a le Bartanura qui rapporte aussi, même la Vodazara, et même la Retzicha, tout ce qui rajoute. Eh bien, non, sache que tout cela, Yachol ou Leachziro Vitaken, il peut encore les rendre et les réparer. Soit, et en fait, il va me dire, Rabbi Shimon ben Menasya, que parmi les avérotes qu'on fait, il y a des avérotes qui sont plus embarrassantes que d'autres. C'est-à-dire qu'en général, quelqu'un qui fait une avéra, s'il va faire une tchouva intègre, parfaite, alors sa faute, elle va être effacée. Mais il y a certaines avérotes que s'il va les faire, il va créer un problème qui va être constant. Même quand il va faire tchouva, il va être là. Par exemple, il est passé avec une femme, ça peut être une proche parente qui est interdite, ça peut être une femme mariée, et il va avoir un mamzer avec elle, un bâtard, un enfant qui est impropre, qui peut plus se marier avec tout le peuple d'Israël. Maintenant, il va faire tchouva, il va faire pousser une très grande barbe et des grandes péotes et mettre une grande kippa et jeûner tous les jours et pleurer et se déchirer les vêtements et faire ce que vous voulez. Le mamzer, il est encore là. Il reste une marque trop violente de sa avéra et ça fait que sa tchouva, elle ne va pas être complète. Il y a malgré tout, je suis un peu étonné parce que ça a contredit une certaine gmar dans Yevamot qui nous dit que les mamzerim qui ne sont pas connus, peut-être c'est ça la réponse en fait, les mamzerim qui ont été procréés en cachette, ils finissent toujours par mourir. Ils ne restent pas vivants longtemps. D'accord? Bon, non, il n'y a pas de contradiction, parce qu'en fait, on peut peut-être parler aussi d'un mamzer qui est reconnu en tant que mamzer, du coup, il va vivre pendant longtemps, et puis l'autre, il va faire tchouva, et puis, on va dire, ouais, c'est qui ce grand rave? C'est le père, en fait, du mamzer de là-bas. Ouais, vous voyez? Sa tâche, il ne va pas réussir à se relever de sa faute. Ça, c'est l'interprétation de Rabbi Shimon ben Menasya. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon ben Yochai dit, non, « En korin me'uvat el alemi shayam metukan batechila benitavet » Je ne suis pas d'accord avec ton interprétation que tu me dis que c'est celui qui a eu un enfant, mamzer, parce que le mot me'uvat, c'est quelque chose qui était droit, qui a été tordu, qu'on ne pourra plus redresser. Et donc, c'est quoi quelque chose qui était droit, qui a été tordu, qu'on ne peut plus redresser? Et Z, de quoi on parle? Z, Talmid Chacham, Apurech Minatora. Saint Talmid Chacham, un étudiant Torah, qui, chez Parash Minatora, il a été mitiacher, il a d'abord étudié la Torah, puis après il est parti. Il s'est écarté de la Torah, après maintenant quand il reviendra, il emprunte de son écart, des mauvaises idées, conceptions et philosophies qu'il a pu développer pendant ce temps, elles lui resteront, elles seront tordues, elles sont venues ancrées en lui, il ne réussira pas à faire une tchouva entière. Il s'est grillé, tout simplement, parce qu'il avait, il était droit, il était en train de percevoir les profondeurs de la Torah, et puis du coup, il s'est écarté, il a réfléchi sur des choses qu'il n'allait pas réfléchir,
Non, non, même lorsqu'il va revenir, c'est fini, il garde cette empreinte. Il garde, il réussit quelque chose. Ça, c'est mais au vat le khalit kon. Et maintenant, le but de notre Misha, c'est de nous dire au contraire, bon, réserve-toi pour. Garde ta droiture naturelle, veille à écarter directement les mauvaises pensées et tout ça avant que tu fautes, parce que quand tu, une fois que tu fautes, tu auras toujours du mal à redresser, quoi. Ça dépend, d'accord. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salam.